vélo en Afghanistan, c'est vraiment difficile. Moi, je savais que c'est difficile, mais moi, j'ai jamais imaginé que les gens peuvent nous frapper. Et une fois que, au début, la première année, quand j'ai commencé à faire du vélo, ça m'est arrivé qu'il y a quelqu'un qui m'a frappé par derrière, qu'elle était dans la voiture, qu'elle a frappé avec sa main derrière moi. C'est un immense défi puisque elle va participer à une épreuve toute nouvelle pour elle. Elle n'a jamais participé à un seul contre-la-montre dans sa jeune carrière. Et elle a énormément de choses à apprendre en très très peu de temps. Donc c'est beaucoup de travail jusqu'au JO. L'équipe de réfugiés, c'est encore plus fort que mon drapeau parce que si moi je présentais mon drapeau, c'était que Afghanistan, mais maintenant je vais présenter le monde, tous les réfugiés, 4,2 millions, c'est pas simple. Je vais présenter toutes les nationalités, tous les pays, je vais présenter humain. Et ça, c'est encore plus fort, c'est pas que pays, c'est pas que femmes et hommes. Je vais présenter humain, c'est une fierté pour moi que je suis un membre de l'équipe réfugiée.